une machine qui effectuerait les calculs de façon plus précise, plus sûre, plus rapide que les humains. À l'origine de ce rêve, il y a un singulier génie, le philosophe français Blaise Pascal, le premier entrepreneur de la tech, le lointain précurseur de Bill Gates. C'est en 1642 que le jeune Blaise Pascal, 19 ans à peine, se lance dans l'aventure, la première machine à calculer commerciale. Durant 10 ans, il s'y acharnera, perfectionniste obsédé par le design, baratineur promettant à qui veut l'entendre que son invention va changer leur vie, traquant impitoyablement les tentatives de concurrence. Mais au-delà du baratin, un bijou, la pascaline, machine à additionner et soustraire. Des générations d'inventeurs perfectionneront après lui la science des machines mathématiques. Les contes des mille et une sciences, par Cédric Villani. Saison 1, mettre le monde en équation.